I will be plus précisément dans le Washington. I will be Mama Marthe né. Mama Marthe né. I will be shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On est un Congolais. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Nous allons parler un peu dans la logique de l'actualité, mais surtout, un courant s'élève maintenant pour demander la dissolution de certaines institutions ou certaines structures qu'ils estiment budgétivores. Et puis, donc on va en parler vraiment suffisamment sur la question. Mais en même temps, quelques petites questions d'actualité. Je reçois pour la première fois dans cette émission Face à Face, Maître Patrick Mutombo, qui est cofondateur et porte-parole du Front Patriotique 2023 de l'honorable Steve Mbikai. On sait ce qui s'est passé dans tout ce temps, on va en parler. Alors, et puis un peu d'actualité aussi. Comment allez-vous, Maître Mutombo? Vous allez bien? Je vais très bien. C'est très longtemps. Très longtemps, pratiquement 4 ans. Oui. Alors, entre-temps, vous êtes devenu conseiller à la primature, vous avez été actif dans l'opposition à un certain moment, et puis, permettez-moi de le dire, vous avez été débouché, selon certaines personnes d'ailleurs, débouché, vous avez été avec Tshibala. Quel est le rôle que vous avez joué, d'abord au sein de l'opposition, et puis au sein du gouvernement? Bon, nous étions dans le rassemblement, dans son format d'ensemble. Après, vous savez ce qu'il y avait eu. Il y a eu dislocation. Une partie est restée à Limete. Et nous, nous sommes allés à Kasavubu avec le premier ministre honoraire, Bruno Tshibala, Joseph Olenankoy, Roger Lumbala, Ngele Ifoto, Eva Mwakasa et tous les autres. Et bon, j'assumais les fonctions de porte-parole de cette aile-là, du rassemblement. Après les conclusions de l'accord de la Saint-Sylvestre, le Premier ministre Bruno Tshibala avait été en conformité de ses résolutions nommé Premier ministre. Et à ce titre, j'ai exercé les fonctions de conseiller spécial chargé des missions du Premier ministre jusqu'à la fin de son mandat. Est-ce qu'il était, juste pour passer,
est-ce qu'il était réellement Premier ministre ou le jeu se jouait ailleurs? Vous savez, Christian, nous sommes dans un pays où les ragots se racontent et ça devient une fonctionnalité ou érigé en mode de vie. Mais je dois ici vous affirmer que ce monsieur, cet homme politique, fait partie des meilleurs premiers ministres que nous avons eus, parce qu'il faut bien analyser le contexte dans lequel nous étions. Nous venions de l'opposition, il y avait un pouvoir, il y avait un camp qui voulait s'éterniser au pouvoir pour ne pas organiser les élections. Alors, pour arriver aux fins nous assignées par l'accord de la Saint-Sylvestre, consacré par l'alternance politique que nous célébrons tout le jour aujourd'hui, il a fallu beaucoup de tact, beaucoup de retenue, mais surtout agir comme un homme d'État. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que Bruno Tshibala a assumé avec élégance, avec beaucoup d'honneur, mais surtout une rigueur exemplaire, ses fonctions de Premier ministre. Et la preuve, c'est que après lui, on a vu ce qui s'est passé. Et puis après, on dit que vous vous êtes enrichi. Vous et les clans de Tshibala, vous vous êtes véritablement enrichi des maisons achetées par-ci, par-là, des enfants qui pouvaient aller en boîte de nuit, prendre en otage toute une boîte, acheter des champagnes à flot. Et tout ça, est-ce que vous, comment vous avez vécu toutes ces accusations-là? Là, je ne sais pas, vous me posez cette question comme membre de famille du Premier ministre. Ah, je ne sais pas même si vous êtes conseiller, si vous êtes membre de famille. Alors, je vais vous aider comme membre de famille. Vous êtes de la famille Tshibala aussi? Oui, oui. Ah, d'accord. Comme membre de famille, je ne crois pas en ça. Il a fait ce qu'il devait faire. Lui-même, c'est un homme très exemplaire. Je suis étonné que les attentions puissent être fixées sur les enfants, des mineurs, alors que le Premier ministre, c'était lui. Donc, je serais peu confortable sur ce plateau si vous me disiez que voilà, Patrick, Bruno Tshibala était allé dans une boîte, Bruno Tshibala a acheté des maisons, Bruno Tshibala a fait ceci. Oui, mais des maisons. Mais me parler de... Des maisons, on en parle aussi. Mais parler des enfants, de mineurs, des gens qui n'ont aucune responsabilité, ça serait compliqué. De toutes les façons, je n'ai pas eu ces faits. Concernant les maisons, ça se dit. Il vous souviendra qu'on a eu le même discours à l'égard du Premier ministre Mouzito, on a eu le même discours à l'égard du Premier ministre Gizenga, Ilunga, Sami Badibanga, et on le dit même du président de la République et de son clan. La dernière en date de vidéo qu'on a vue de membres de l'UDPS qui se serait enrichi. Donc, c'est ce qui se dit toujours, et vous êtes un journaliste qui... est en train de construire sa notoriété sur des valeurs, je les confirme. Merci. Et il ne faut pas vous fier à de telles informations. Alors, parce que ce n'est pas un procès de Tshibala aujourd'hui, c'est d'abord vous et votre nouvelle structure. Est-ce que vous avez fait partie de l'UDPS dans l'histoire? Non. Non. Est-ce que vous... De l'UDPS Tshibala, non. Mais de l'UDPS... De l'UDPS, c'est qui est dit, en somme. Mais bien sûr, vous savez... Nous appartenons à cette génération des gens qui, pour être de l'UDPS, ne devraient pas absolument détenir une carte d'adhésion. Parce qu'on est, dès les seins maternels, par les convictions des parents, membres de famille, on est déjà membre de l'UDPS. Mais On est l'UDPS. Et après, j'ai eu à évoluer au sein de l'UDPS. Et à ce titre, que le 30 juin 2005, à minuit, tout s'arrête, nous avons eu à mener des actions aux côtés de l'actuel président de la République, même pendant qu'il était en train de recevoir des balles ici à Kassavubu. Et puis après, vous allez quitter pour, pour aller servir une autre cause, pour aller servir Kabila que vous avez combattu. Non, 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 pas du tout. Vous savez, cette question doit être abordée élégamment parce que si... votre thèse, à la fin de compte, va s'avérer fondée, alors dans ce cas, c'est que c'est tout le monde qui a servi Kabila. Ce n'est pas le cas. Donc, la politique... tout le monde qui fait allusion président de la République? Si, non, je ne cite pas le nom, mais si c'est que vous voulez dire là, s'avérer vrai, en fin de compte, c'est que, selon vous, tout le monde aurait servi Kabila. Non. Oui, surtout ceux qui ont travaillé sous son leadership. Nous, pas ceux qui ont
travaillé en dessous du leadership de Kabila. Mais ceux qui ont travaillé sous le leadership de Kabila, ben oui, ils ont travaillé sous le leadership. Écoutez, je pense être homme d'État et je sais faire le distinguo entre Joseph Kabila, fils de ses parents, et Joseph Kabila comme celui qui incarnait l'institution président de la République. À ce titre, nous avons collaboré avec lui au nom de l'accord de la Saint-Sylvestre qui avait reçu la bénédiction du président Étienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire. Avec les prêtres et la communauté internationale faisant partie, nous nous sommes convenus de co-gérer la Respublica pour de fait garantir le social d'une part et d'autre part organiser les élections dans le délai des 2 ans qui nous avaient été donnés. À ce jour, je pense que vos questions doivent être orientées sur les missions qui nous étaient assignées. Parce que dire que nous avons servi Kabila voudrait dire que Tshisekedi père n'était pas dans la logique de cet accord. Non, parce qu'il avait délégué des gens. Dire que nous avons servi Kabila voudrait dire que nous n'avons pas rempli les missions qui nous avaient été assignées. Non. Alors, pourquoi nous sommes dans un pays où un système mental, un fonctionnement mental est dans le sens de décourager ceux qui ont fait de bonnes choses? Alors, je croyais que sur ce plateau, vous nous diriez au moins, Patrick, au nom de tous ceux qui ont travaillé pour le compte de ce gouvernement-là qui a conduit aux élections, félicitations. Ah, mais non, c'est pas à moi de vous donner des félicitations. C'est au peuple qui juge. Mais vous les faites élections. Partie de ce peuple. Si, là. Si, mais en tout cas, ne vous attendez pas des félicitations, surtout dans ce côté-là. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais alors, parlons-en. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes aux côtés de Steve Mikai. Steve Mikai est considéré comme, selon certaines personnes, comme l'incarnation même de la versalité. L'incarnation, encore une fois, de la transhumance politique. Est-ce que vous avez ces valeurs-là? Vous suivez, vous êtes sous le leadership de Steve Mikai tout en tenant compte de ces choses? Ou c'est une nouvelle génération qui voit les choses autrement, qui dit on se bat pour un but quelconque et non pour le côté de Steve Mikai qui est considéré comme transhumant et ainsi de suite? Vous savez... Vous êtes juriste, on dit en droit, donne-moi le fait, je te donne le droit. Vous me posez une question sans me donner le fait. De toute façon, je vais vous aider. Je vous donnerai des faits beaucoup. Hein. Je vous donnerai plusieurs faits, mais commencez d'abord. Répondez d'abord. Alors, il y a ceci. Ouais. Je connais Steve Mikai parce que j'ai été dans son parti, le parti travailliste. Travailliste. C'est quelqu'un qui a des valeurs, au-delà de ce qui se raconte. Mais vous devez... Nous devons atteindre le niveau où nous comprenons la politique comme étant une science. La politique n'est pas de la sociologie ou de la psychologie. La politique est une science. Quand vous lisez l'histoire de la Ve République avec Général de Gaulle, Mitterrand, vous verrez que si aujourd'hui les deux ont créé des grandes écoles de gaullistes, de mitterrandiens, c'est parce qu'ils avaient... le sens de prémonition, ils avaient de la perception, ils savaient voir des choses de loin. Et je pense, je suis parent, je n'aime pas parler des individus, j'en ai horreur, mais puisque vous me contraignez, Steve Mikai a ce sens de perception, il a le fleur politique. Ah, il s'est quitté, quand ça commence à devenir... Il a le fleur, il a le fleur politique, il sait voir les choses de loin, il sait anticiper, il sait faire la politique selon qu'elle est enseignée dans les départements des sciences politiques. Qu'est-ce qui est enseigné dans ce département? Ça veut dire quitter la barque à la première prise de l'eau ou continuer à combattre des valeurs, pour des valeurs. Je vous donne 2 petits faits parce que vous en avez tellement besoin. Steve Mikai, au départ, il n'est pas d'accord avec Kabila. Il le combat. Et puis, à un moment donné, il est avec Kabila, mais vraiment un vrai chantre de Kabila. Et puis après, à un moment, lorsque Félix Tshisekedi va aux élections, il combat, il attaque, comme toujours d'ailleurs, comme vous dites, politique. Et lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il reste en train d'attaquer Félix Tshisekedi. Mais puis après, subitement, ce qu'on n'a pas compris, il devient alors un véritable défenseur de Félix Tshisekedi, mieux que Kabounde Kabouya.
jusqu'au point même de proposer les élections de 2023, que Félix Tshisekedi soit candidat aux élections de 2023. Et il le dit clairement. Alors, ça c'est un fait. Le deuxième fait, il est avec Bahati Lukwebo quand tout va bien au FC, avec l'AFDC. Et puis après, il change tout de suite. Il ne veut pas quitter. D'ailleurs, il traîne Bahati Lukwebo devant la justice. Et puis après, à un moment donné, quand il se rend compte que Bahati Lukwebo reprend assez de forces, il va finalement être en très bonne position au Sénat. Alors, il va louer Bahati Lukwebo, les capacités de Bahati Lukwebo, un homme sage, un homme tout ça. Bahati Lukwebo, on ne sait pas si c'est par vengeance ou pas. Il donne rien à Steve Mbikaï. Alors là, il retourne et nous avons des attaques maintenant. Il ne faut pas que seulement Bahati Lukwebo tombe, mais que tous les Sénats tombent en même temps. Alors, à un moment donné, je me dis, mais est-ce que devant tout ça, comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux? Je comprends, je vous comprends parfaitement bien. En réalité, en parlant de Steve Mbikaï, vous parlez également de Bahati et d'autres personnes. Vous savez, le sénateur Bahati, c'est quelqu'un que je considère comme un père. J'ai beaucoup de respect pour lui et que quand on se voit, c'est vraiment beaucoup de sympathie. Mais je dois vous rappeler que le sénateur Bahati a été plusieurs fois ministre de Mobutu. Oui. Il a été avec Kabila père. Il a travaillé pendant 18 ans ou 19 ans avec Kabila fils. Et il a également aujourd'hui travaillé... Aujourd'hui, c'est un grand ténor de l'Union sacrée. Oui. Mais jamais des déclarations. Donc, hein. Non. Ouais. Jamais des déclarations. Pas de déclarations. Il y a les Kibango, Zamakasi, Zamayele, ainsi de suite. C'est mal connaître Steve Mbikaï. Ah, mais c'est ce qu'il fait. Il ne l'a jamais fait. Ah, mais non, Patrick. Je te regarde droit dans les yeux. Steve Mbikaï n'a jamais été dans la psalmodie. Il n'a jamais été dans les louanges. Est-ce qu'on dit la même chose? Est-ce qu'on parle de la même personne? Justement, on parle de la même personne. De Steve Mbikaï, le patriote. Montre-moi un seul tweet de Steve Mbikaï en train de louanger, en train de psalmodier un responsable politique de ce pays. Et je reconnais ton autorité morale sur moi définitivement. Vous parlez de quoi? De la psalmodie, de louange. Oui, regardez. De Kabila. Il n'y en a jamais eu. Comment? Écoutez, vous m'avez posé une question. Allez, répondez. Répondez. Vous devez arriver à faire les distinguos entre un homme des convictions et un homme qui n'a pas de convictions. Mm. L'apologie que vous venez de faire de Steve Mbikaï démontre que c'est un homme des convictions. Ce n'est pas un versatile. Regardez, aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attaqué par le genre de l'ensemble, par le genre de la Mouka, par le genre... Mais il a des collaborateurs, non? Il y a des gens qui bénéficient de... qui ont de dividendes de l'Union sacrée, par des fonctions, par des postes politiques. Mais ces gens-là, vous lirez une certaine ambiguïté, une certaine hypocrisie dans leurs chefs, qui ne sont pas au fond quand ils font attaquer. Mais l'apologie, la lecture que vous faites de Steve Mbikaï fait montre que c'est un homme des convictions. Quand il est dans un camp, il soutient ses camps, il défend ses camps. Je vais vous dire une chose, et je sais que vous allez me comprendre. Il y a des gens qui ont été contraints à quitter le FCC. C'est le cas de Steve Mbikaï. Ah, il a été contraint. Je dis, il y a des gens qui ont été contraints, c'est-à-dire de gens qui, en faisant de leur mieux pour sauver le bateau, le navire qui était en train de tanguer, qui ont tout fait pour avoir de contacts avec le président, l'ancien président de la République, qui avait de contacts, qui donnait de propositions, que voilà, à cette allure, nous devons nous allier derrière le président de la République, aller répondre à son invitation. À cette allure, il faut un comité de crise qui doit être composé de telle personne. Écoutez ce que nous devons faire. Mais il n'a pas été entendu. Alors, à la place de si vous auriez voulu qu'il fasse quoi? Vous parlez de son activisme dans l'opposition. Mais justement, il y a des gens dont vous ne parlerez pas comme vous parlez de Steve Mbikaï parce qu'il ne s'assume pas.
Donc, moi, je note de ce que vous dites là, que Steve Mbekai, contrairement à ce qui se raconterait, c'est un homme des convictions. Quand mais comment il vous attaquez une structure? Il a fait son travail. Quand il était dans le FCC avec Joseph Kabila, il a fait un travail remarquable. Et aujourd'hui qu'il est dans l'Union sacrée, on sent qu'il est là. Ce n'est pas... Il est à l'Union sacrée, non? Ce n'est pas de la conjumance. Okay. Mais il fait partie de ceux qui ont composé l'Union sacrée. Mais il a attaqué l'Union sacrée. Je me rappelle encore qu'il a attaqué Bemba, il a attaqué Katumbi, il a attaqué tous ces gens. Il a attaqué Bati Lukwebo quand il voulait créer l'Union sacrée. Lui ne voulait pas de l'Union sacrée. Et puis tout de suite... Mais alors, c'est vraiment sans transition. Vous ne me donnez pas le fait. Mais vous dites qu'il a attaqué, mais il a attaqué comment? Mais avec des tweets comme il a toujours fait. Quel tweet? Oh, mais attendez. Quel tweet? Donc, son tweet est piraté. Non, mais celui que nous voyons tous les jours, il a attaqué avec quoi? En disant, par exemple, que l'Union sacrée c'était la pire des idées qui puisse exister. Il n'a jamais dit ça. Non, mais cher ami Christian, je vous paraphrase l'idée. Pour la première fois, en tout cas, ceux qui suivent vont constater que vous débitez ce qui est inexact. Comment ça, inexact? Ouais, c'est inexact. Attendez, vous n'avez jamais dit ça. Vous voulez que je dise mot à mot? Non, mais j'aimerais que vous le disiez. Non, on ne va pas tabler sur le sexe des anges. Non, c'est une dites-moi que Steve Mbeka a dit ceci et moi je te réponds. Mais il n'a jamais dit ça, écoutez. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'Union sacrée au début? Qu'est-ce qu'il a dit au niveau de l'Union sacrée au début? Mais vous êtes les seuls à voir exactement ce qu'il a dit. Dites-le moi, je vais vous dire que ce n'est pas ça. Écoutez. Ben vous êtes avec lui, vous dites. Mais je suis avec vous le connaissez donc. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous me donnez l'impression d'être surpris de ce que monsieur fait. Ou alors nous parlons de Steve Mbeka. Non, écoutez. Celui dont je parle, c'est le président du Parti travailliste. Mais bon, celui dont je te parle, c'est l'initiateur du Fonds patriotique et président du Parti travailliste. Bon, c'est la même personne. Donc c'est la même personne. Alors comment on dit qui n'a jamais psalmodié un individu, qui n'a jamais été dans le débat de doctrine, qui n'a jamais été dans les invectives contre l'Union sacrée. Par contre, Steve Mbeka était en train de militer pour que le bateau ne puisse attanguer. Quel bateau? Le bateau du FCC ou de l'Union sacrée? Mais nous étions dans une coalition. Du FCC, il cache. Nous étions dans une coalition, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait allait dans le sens de maintenir la cohésion entre le FCC et le cache. Bah, je ne perds pas de vue que vous êtes avocat, et je ne perds pas de vue que le réflexe d'avocat revient, et que pour vous, M. Steve Mbeka est un client que vous devez absolument défendre, et surtout, parce que défendre, mais innocenté. Malheureusement, ce n'est pas un juge. Je ne m'innocente pas, mon frère. On va penser. Je me rends compte simplement que notre frère Christian Bossimbi, hein, le frère qui jusque-là a quand même les aspects d'un ange dans la presse, pour la première fois, débite des faits inexacts à l'égard de Steve Mbeka. Non, pas du tout. Je le mets au défi. Okay. Présente-moi les tweets à travers lesquels Steve Mbeka a dit que voilà, président de la République, vous êtes une fouteuse, vous êtes ici, vous êtes là. Alors, il n'y en a pas. Vous savez ce qui est bien dans tout ça, c'est quoi? C'est que les téléspectateurs qui nous suivent, en ce moment, quand vous allez suivre l'émission, je vous propose de suivre les commentaires. Ils vont vous mettre... Non, mais là vous manipulez déjà l'opinion. Non, pas du tout. C'est vous faites non, là, vous demandez la preuve. Vous manipulez l'opinion. Vous demandez à votre opinion, à vos fanatiques, nombreux à travers le monde, de laisser de mauvais commentaires. Non. Et moi aussi, je demande... Ok, écoute, on va faire ceci. Oui. Chers téléspectateurs, si vous avez des tweets de M. Steve Mbeka allant dans le sens de la contradiction ou de la versalité, envoyez-le. Comme ça, Maître Patrick verra ce que je dis. Je ne raconte pas des faits inexacts. Alors, d'abord, nous sommes d'accord avec vous que Steve Mbeka, c'est un homme des convictions. Quand il est dans l'opposition, il fait effectivement l'opposition. Il ne joue pas au top. Il est dans le FCC, non, mais vous devez le constater. Quels sont les rapports qu'il a avec Bati Lukwebo aujourd'hui? Mais ils ont de très bons rapports. Ah, des très bons rapports. Ils ont des très bons rapports. Est-ce que vous avez lu les tweets Ils ont. C'est un nombreux tweet sur Bati Lukwebo. Je vais vous dire une chose. Allez-y. André, il ne sait pas beaucoup, on dirait. On dirait. Il ne s'aime pas beaucoup. Mais Bati a été très blessé par Steve Mbeka. Et que vous avez une grosse appétence, un gros appétit pour les injustices. Comment et ça, je ne le découvre que sur ce plan. Non, pas du tout. Je suis contre les injustices, effectivement. Ah oui, moi, j'aime la constance, en fait. Vous aimez? La constance. Ok, mais je comprends que le président Bati Lukwebo est très constant, selon vous, lorsque nous établissons son tableau.
raison pour laquelle vous devez l'aduler. Et Steve Mbikai, qui a un tableau assez plus exemplaire, c'est celui que vous voulez livrer à la vindicte populaire. Je ne livre pas. Steve Mbikai livre pas, malheureusement. Est un homme de conviction. Quels sont les rapports si vous allez demander au président Tshisekedi de heureuse mémoire, comment Steve Mbikai, il vous dira que c'est un homme très constant. Ah, il dira ça. Si vous allez demander à Joseph Kabila qui est Steve Mbikai, il va vous dire que c'est quelqu'un qui sait défendre son opinion, ses points de vue, avec beaucoup de conviction. Et surtout ses intérêts, il paraîtrait. Avec beaucoup de conviction. Surtout ses intérêts, il paraîtrait. Alors, concernant le président Bahati, un est président de l'AFDCA, l'autre est président du Front Patriotique. Mm. L'un est sénateur, président du Sénat, et l'autre est député national. Député national. C'est-à-dire, ils ont des rapports entre hommes d'État. Ils ont été ensemble dans les cadres du Front Patriotique, dans le cadre de l'AFDCA, et depuis 2019, le Parti Travailliste avait été exclu de l'AFDCA. Pourquoi ? Depuis 2019. Pourquoi ? Lorsque les uns étaient restés au FCC, les autres dans le clash, alors... il n'y avait plus au sénateur Bahati et les autres d'exclure le Parti Travailliste depuis 2019. Donc récemment, le Parti Travailliste a pris acte de son exclusion et c'est ce qui a même fait que lors du partage des responsabilités, le Parti Travailliste n'a pas eu gain de cause parce que dans l'imaginaire de l'AFDCA, le Parti Travailliste ne représentait plus rien. Ne comptait plus pour le partage de postes. Il a combien de députés, le Parti Travailliste ? Et pourtant, il a cinq députés nationaux. Mm. Et pourtant, lorsqu'il faut faire valoir ses droits auprès des autorités, on inclut les cinq députés du Parti Travailliste. Est-ce que ça vous a gêné ? Est-ce que, pas vous, mais est-ce que monsieur, c'est une question innocente en tout cas, sans préjugés, est-ce que monsieur Steve Mbikai a bien vécu l'élévation de monsieur Bahati Lukwebo en tant que sénateur, disons en tant que président du Sénat ? Je vous dis que nous avons de relations, je peux d'abord de collaborateurs, et ensuite, il est vieux en âge, donc je le considère comme un parent, mais aussi de rapports amicaux, donc je le connais. Steve Mbikai, c'est quelqu'un qui ne ressent pas de peine lorsque un de ses proches ou une de ses connaissances est élevé dans la vie. Donc je vais te dire que il en est content et très heureux. Est-il malheureux? Est-ce qu'il regrette son accointance avec l'ancienne ministre de Travail, Madame Néné, si je ne me trompe pas? Non, mais c'est quelqu'un qui a toujours assumé ses convictions. Il assume son opinion. Il a été... écoutez, vous parlez quand même de quelqu'un qui a été trois fois ministre dans trois gouvernements différents. Sami Badibanga, Bruno Tshibala et Ilunga Ilunkamba. Donc, c'est pas un glouton. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de front patriotique. Mm-hmm. C'est quoi l'idée du front patriotique pour 2023? Vous soutenez quelle idée, quelle idéologie déjà? D'abord, le front patriotique est un mouvement politique, un regroupement politique composé de plusieurs partis politiques, de personnalités, donc certains gouverneurs, de députés nationaux, des députés provinciaux, des maires. Nous avons des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. À court terme, nous voulons que le social du peuple congolais puisse être revu. Nous voulons que la sécurité soit garantie. Nous voulons que le peuple atteigne un certain niveau de vie qui puisse le permettre de vivre comme des humains. À moyen terme, le Front patriotique, en tant que regroupement politique, compte aligner des candidats députés nationaux et provinciaux partout à travers la République pour réussir à avoir quand même la majorité en 2023 au niveau du Parlement. Mais à défaut d'avoir cette majorité-là, mais d'avoir quand même un nombre qui peut approcher la majorité pour nous permettre de viser très haut. Parce que au départ, Steve Mbikai avait des ambitions présidentielles. Mais avec la venue du président Félix Tshisekedi et l'admiration que l'un porte pour l'autre, il s'est fait qu'il a annulé ses ambitions-là pour soutenir le président de la République.
Donc, ce qui tiendra Félix Tshisekedi en 2023. Ce qui fait que, aujourd'hui, fort de nos objectifs à court terme, à moyen terme, nous voulons que le président de la République en 2023, non seulement qu'il soit le candidat commun de l'Union sacrée, parce que c'est notre candidat commun. Félix Tshisekedi est le candidat commun du Front patriotique. Et il faut le souligner avec encre d'or que nous avons été le premier regroupement politique de l'Union sacrée à le dire. Et c'est grâce à nous que même d'autres regroupements aujourd'hui, d'autres personnalités, sortent de leurs réserves pour dire qu'il faut soutenir le président Tshisekedi. Nous nous sommes dit ceci, mon cher frère. Partout, dans les vieilles démocraties comme les démocraties jeunes, on accorde toujours au président en exercice la possibilité de se représenter. Parce que l'on considère que dans le premier mandat, c'est l'apprentissage. Il vient, il est en train de apprendre comment se tenir, comment parler, comment il s'acclimate un peu, il s'habitue avec les costumes, et puis le 3 ou le 2 dernières années pour faire des actions. Ici, avec Félix Tshisekedi, vous avez vu les difficultés de cohabitation qu'il y a eu entre le FCC et le CACH. Vous voyez également les difficultés liées au Covid, les partenaires qu'il a eu lui-même aussi au sein du CACH qui ne lui ont pas rendu la tâche facile. On se dit, écoutez, le président de la République, dans le temps qui nous reste, on va travailler les sociales, on va travailler la sécurité à l'Est, on va travailler ce qu'il faut travailler. Au sein de l'Union sacrée, nous devons déjà, au même moment que nous travaillons, nous entendre sur qui peut être notre candidat. Parce qu'il est fâcheux, il est malaisé, il est incompréhensible, inadmissible de nous retrouver dans une structure qu'on appelle Union sacrée. On sait que cette Union sacrée est créée à l'initiative de telle personne, mais au sein de cette Union sacrée, que vous puissiez y trouver des gens qui ont aussi les mêmes ambitions que le président de la République. Alors, on va revenir sur la question. C'est quoi la conséquence, pardon? Oui, allez-y. Vous aurez des gens qui auront de postes ministériels, des gens qui auront les effets de l'impérium, du fait du président de la République, et en 2023, il se retourne contre lui. Donc, le président de la République aura armé ses propres adversaires pour 2023. C'est pourquoi on a dit, au niveau de l'Union sacrée, qu'on s'entende, que l'on trouve une entente consensuelle sur qui peut être notre candidat commun pour le Front patriotique, c'est Félix Tshisekedi. Comme ça, ça nous permet de bien évoluer, d'identifier qui sont nos ennemis, qui sont nos adversaires et qui sont nos amis et de personnes avec qui nous pouvons évoluer. Alors, je voudrais revenir sur une question. Je crois n'avoir pas bien entendu. Vous dites que les 5 premières années pour un président sont des années d'apprentissage. Alors, est-ce que vous avez la mesure de ça? Ça veut dire les Congolais vont devoir élire un président qui viendra apprendre au sommet de l'État. Or, pour être président, le mandat, on ne le prend pas pour s'excuser, on le prend pour l'appliquer. Alors, quel est ce peuple dans le monde qui peut accepter d'avoir un président stagiaire, qui apprend à être président, qui apprend à porter des vestes, à parler, comme vous dites, à porter des costumes, à savoir se tenir, pour qu'on lui donne un autre 5 ans? Alors, je me pose la question, vous dénaturez mes propos. Vous avez la possibilité de le refaire. Oui, de le redire. Vous dénaturez mes propos. Donnez un sens à ces propos. Je dis ceci, mon frère. Partout, à travers le monde, les vieilles démocraties comme les jeunes, on n'accorde pas un seul mandat au président de la République. L'essence de deux mandats, c'est pour permettre à ce candidat président de la République de faire ce qu'il n'avait pas, de continuer ce qu'il avait débuté. Non, il faut d'abord convaincre dans les 5 mandats, sinon Trump allait faire 2 mandats. S'il vous plaît. Sinon Sarkozy ferait 2 mandats. Oui, mais c'est une possibilité. Sinon Hollande allait faire 2 mandats. Non, 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 non. Quand vous parlez de Hollande, Hollande s'était retiré lui-même. Oui, mais pourquoi il s'est retiré? Mais laissez-moi le temps. Il n'a pas été à la hauteur de son premier mandat. Mais laissez-moi le temps. Allez-y. Je vous explique et je pense que vous en serez convaincu. Allez-y. C'est-à-dire, le président de la République dans le premier mandat, il vient, il pose les jalons. Vous parlez de Donald Trump, vous parlez de Sarkozy, vous parlez de Hollande, François Hollande. Mais c'est de pays fort riches, c'est de pays développés. Oui. Ils ont trouvé de base. Félix Tshisekedi a trouvé un pays qui est
quasiment inexistant. Oui, parce que Steve Biko était là aussi, il faut dire. Et quasiment inexistant. Vous étiez là, s'il vous plaît. Vous avez géré le pays. Bas. Non, mais lorsqu'il faut comparer la France, les États-Unis à la RDC, vous allez dire que la RDC existe vraiment comme un État. Non, mais c'est vous qui le comparez. Donc, parce que même en France, il y a des présidents qui ont fait un seul mandat. Bien avant ça. L'inexistence. Hein. Aux États-Unis, il y a des présidents qui ont fait un seul mandat. Il y en a. L'inexistence de la France, de l'État congolais face à la France est liée aux conditions de développement de ce pays-là. Alors moi, j'étais en train de dire ceci. J'annonce le principe. À travers le monde, un président de la République a toujours la possibilité de faire deux mandats. Oui. C'est pour ça, c'est le principe. Je n'adapte pas ça à la RDC, mais j'annonce simplement le principe. C'est pour lui permettre de soumettre ses projets au peuple, à son peuple, pour voir s'il sera sanctionné positivement ou négativement. Concernant les 5 ans que je disais, mais qui ne sait pas que le président de la République a passé les 2 premières années dans le brouhaha avec, dans sa coalition FCC-CACH? Ben c'est lui qui avait qui choisi le FCC-CACH. Vous allez me dire il est que... le responsable. Il a choisi de faire alliance avec le FCC-CACH. Il aurait pu opter pour la cohabitation. Il a fait le choix. Et on doit assumer le choix qu'on a fait. Justement, mais je ne dédouane pas les uns et les autres. Oui. Mais vous savez les excuses, les cas de force majeure en droit, les infractions justifiées en droit pénal. Oui. C'est-à-dire, même sur le plan moral, sur le plan politique, il existe des fautes qui nécessitent... Des excuses. Des compréhensions. Alors, des compréhensions. Parmi ceux-là, vous allez dire que Félix Tshisekedi est responsable du Covid? Non. Vous allez dire que Félix Tshisekedi est responsable de... il est entièrement responsable de bavures qui sont arrivées dans son cabinet? Non, mon cher frère. Vous allez me dire que vous, Christian, lors de votre première présentation d'une émission à la télé, vous avez eu la même attitude, la deuxième, la elle troisième. Elle était catastrophique, non, la première émission. Il y a eu de problème. Oui. C'est de la même manière que le président de la République. Qui n'est président de la République? Même dans des pays où on apprend aux gens, par exemple dans des royaumes, où on apprend aux enfants que voilà, tu vas te tenir de telle manière, lorsque cela arrive effectivement, lorsqu'ils ont l'impérium, ils ont toujours un temps d'apprentissage. Moi, au niveau du Front Patriotique, on estime que dans les 5 ans, le président de la République ne pouvait pas tout faire. Alors, donc, mais nous sommes exigeants à l'égard du gouvernement, parce qu'on estime qu'il y a des choses que l'on peut faire. C'est cela la nuance. C'est cela notre différence avec ceux qui claironnent, ceux qui font de louanges. Nous apportons de solutions. Nous disons que le président de la République, dans 5 ans, ne pouvait pas tout faire. Il ne pouvait pas donner de l'eau partout. Il ne pouvait pas donner l'électricité partout. Il ne pouvait pas ramener les salaires, le solde du militaire de, je ne sais pas, 100 $ à 1 000 $. Mais il y a des signaux, les soubassements, les fondamentaux qu'il peut faire, dont le peuple ne saura lui accorder excuse si cela n'est pas fait. Parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que le Front Patriotique, fort de son sérieux, a mené une campagne à travers le Congo profond. Nous avons été dans le Kasaï oriental, tout le territoire du Kasaï oriental, Miabi, Chilenge, Katanda, tout le territoire où nous avons été. Nous avons été dans le Kasaï occidental. On a fait tout le territoire du Kasaï occidental et même certains chefs-lieux. Nous avons été dans le Kasaï, c'est-à-dire Chikapa, Ilebo. Nous avons été dans l'est du pays. Nous avons été à Kisangani. Nous avons été à Bounia. Nous avons été dans le Bandundu. On a fait Bandunduville, Massima, Nimba, Kikuti, tout ça. Nous avons été... j'ai parlé de Bounia, j'ai parlé de à l'Équateur. À l'Équateur, on était en Mbandaka. Mais mon cher frère, les gens ne demandent pas beaucoup. Je ne sais pas, Christian, si il vous arrive d'aller dans le Congo profond, bien vous faites aussi comme certains de vos amis, vous arrivez juste dans de grandes villes à Lubumbashi et puis vous repartez. Nous avons fait le Congo profond. Mais quand vous êtes, par exemple, dans le Mbujimayi profond, vous avez l'impression que c'est des animaux qui vivent. Ce ne sont pas des êtres humains. C'est un vrai Moyen-Âge. C'est vraiment un Moyen-Âge. C'est Moyen-Âgeux, c'est compliqué. Je te dis... Vous voyez les vélos? Le vélo, c'est l'homme qui roule le vélo. Mais quand vous allez là-bas, moi j'ai fait par exemple, nous avons fait la route avec le ministre Mbikaï,
dans le cadre du Front patriotique, on fait la route entre Mbujimayi et Kananga. Donc 24 heures de route, pratiquement. On n'a vu aucun vélo qui était en train d'être roulé par l'homme. C'est plutôt les hommes qui poussent les vélos. Qui poussent avec de grosses marchandises surchargées. Mais quand vous arrivez en Mbandaka, mais mon frère, quand il est 18h, vous avez comme l'impression que c'est les ténèbres, c'est l'enfer. Vous allez aller doucement, là c'est ma ville quand même, hein. On va aller doucement sur la ville de Mbandaka. C'est ténébreux à Mbandaka. Okay. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Donc tout ce qu'il y a en Mbandaka, c'est le poisson. Il n'y a rien. Parce que même, on ne sent pas. Mais quand même, il y a... On le sent. Ouais. Non, il n'y a rien. Nous venons de là. Si. Moi, j'ai 14 ans là-bas, c'est ma ville. Mais il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose. Je viens de Mbandaka. Mais il n'y a pas grand-chose. Moi, je viens de là, il y a un mois, avec le ministre, dans le cadre du Front patriotique. Moi, j'y vais dans une semaine. Il n'y a pas d'eau. C'est mon temps, c'est mon coin. Il n'y a pas d'eau. Ouais. Mais il n'y a pas d'eau. Si, il y a de l'eau, mais pas dans toutes les villes. Enfin, disons, non, pas en tout cas, là où nous avons été, on n'a pas. Vous avez été où? On était dans la ville de Mbandaka. Oui. En fait, ce qui est vrai, ce que vous dites est vrai, parce que la ville de Mbandaka vit un Nous étions logés à l'hôtel Nina. Oui, à l'hôtel Nina, ce qui considéré comme le plus bel hôtel de la ville, mais tu vois qu'il y a un contraste terrible. Hein. Un contraste terrible. Ouais. Vous allez à Bounia, là quand même, on a vu l'eau, il y a l'électricité, quand même. Mais une insécurité innommable. Ouais. Les gens vivent dans la stupeur. Tout le jour, les gens ne peuvent pas sortir. Vous allez dans le bon doudou. Mais mon cher frère, les gens ne réclament rien d'autre que de routes qui peuvent relier. Donc les gens ne demandent pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup. Oui, pas beaucoup. On demande le minimum, en tout cas. Le courant, les routes, simplement. Ouais. Ce que vous savez ici, dans la ville de Kinshasa, dans de grands quartiers comme Cité Salongo, à Lemba, depuis plus de 20 ans, il n'y a pas d'eau. Salongo Nord, Salongo Sud. À Lupen, il n'y a pas d'eau. C'est la raison pour laquelle le Front patriotique, après une étude minutieuse de comment le président de la République peut arriver à répondre à ce besoin du peuple, a estimé que nous devrions procéder à la révision constitutionnelle. Alors, vous, en fait, je veux dire déjà que, je ne sais pas si vous rejoignez ma position ou je rejoins la vôtre, mais tout ce qui est vrai, je suis d'accord, moi je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut... pas seulement réviser la Constitution, moi je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut la changer complètement pour passer à une autre république, la 4e république. Mais ça fera un long débat. Mais là, vous proposez des choses que je considère des choses assez importantes, parce que là, il faut parler de la suppression de certaines structures de l'État. Vous dites que ce sont des structures budgétivantes. Et parmi les structures, vous parlez du Sénat. Ça me fait rire, pourquoi ? Vous pouvez le comprendre. Le Sénat, alors parce que moi, quand on parle du Sénat, je vois le professeur Mbati Lukwebo, et j'essaie de voir les conflits qu'il y a eu entre Mbati Lukwebo et Steve Mbika, et je me dis, ben, alors c'est pas Mbati qui tombe, mais c'est tout le Sénat qui doit finalement tomber. Et donc, vous avez le CENSA, je suis d'accord, je vous soutiens sur la question du CENSA, le Conseil économique et social, le CESAC, la Commission nationale de droits de l'homme, et puis, ben, vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié la CENI. Pourquoi vous oubliez la CENI qu'il faut dissoudre aussi et remettre ses prérogatives au ministère de l'Intérieur, comme dans un État sérieux, des hommes normaux en tout cas. D'accord. Je commence d'abord par notre proposition et j'en viens. Mon cher frère. Pourquoi supprimer ces structures? Vous savez, en 2019, en ce moment, Steve Mbika est ministre de son État. Il avait fait un tweet. Vous qui êtes expert de ces tweets, vous n'avez pas fait mention à ces tweets-là. Ce tweet-là proposait déjà la suppression du Sénat en 2019. Mbati Lukwebo n'avait pas d'augure de pouvoir devenir président du Sénat. Et Steve Mbika ne savait pas qu'il se retrouvait soit en amitié ou en inimitié ou en adversité avec Mbati Lukwebo. C'est la passion du Congo qui doit nous pousser à privilégier l'intérêt général. Nous demandons la suppression du Sénat, la révision de la Constitution qui passe par la suppression du Sénat, parce que à quoi nous sert le Sénat actuel? Constitutionnellement, le Sénat nous sert à la rélecture. C'est-à-dire, la première lecture est faite, tout est fait au niveau de l'Assemblée nationale, et puis on envoie pour la rélecture. Mais la même constitution dit, en cas de conflit entre les deux textes, ou bien les deux vues, la vue de l'Assemblée nationale et celle du Sénat,
c'est la voix de l'Assemblée qui la voix de l'Assemblée nationale qui emporte. Donc vous constaterez que la Constitution a été faite dans un contexte précis. Il fallait donner et trouver des postes aux gens, et chercher un peu d'engager les gens, les belligérants, mettre tout le monde, les anciens mobutistes, mettre tout le monde un peu d'accord pour permettre au pouvoir du président Kabila d'évoluer ses mandats. C'est la raison pour laquelle on avait institué cette histoire. Mais le Sénat joue aussi un rôle important sur les provinces. Et c'est justement, la Constitution dit que les sénateurs ont comme circonscription électorale les provinces. Mais mon cher frère, dépassionnons-nous. Vous savez que les députés nationaux ont aussi pour circonscription électorale des territoires qui sont dans des provinces. Bien sûr. C'est-à-dire, ouais. Si c'est seulement pour parler des intérêts des provinces, les députés le font mieux. D'ailleurs, ils le font mieux parce que quand il y a des catastrophes, quand il y a l'insécurité dans le Katanga ou partout, vous voyez comment les députés le font avec beaucoup d'enthousiasme. Le Sénat, à lui seul, quand vous prenez la rubrique de son administration... Vous avez remis un document. Oui, oui. C'est la conversion en dollars des frais attribués aux institutions. Donc, le 4 institutions. Je voudrais d'abord me rassurer si c'est un document vrai. Mais nous l'avons pris. Est-ce qu'il est authentique? Nous l'avons pris du document numéro 6 du ministère du Budget, développement par titre d'estimation crédit de l'exercice 2020. Très bien. Voilà. OK. Donc, c'est le document qui avait été donné aux députés pour approbation. Alors. Quand vous prenez seulement l'administration du Sénat, ça vous prend en soi 49 milliards. 49 millions. C'est millions, hein, d'accord. Oui, 49 millions. 216 695, voilà, dollars. Vous prenez le frais de fonctionnement. Ça vous prend 32 673 267 dollars. Vous prenez... L'intervention économique sociale. Oui, c'est une rubrique qu'on appelle intervention économique sociale qui permet l'acquisition de véhicules, de matériel informatique. Donc, 841 000 dollars. 841 000 dollars. Quand vous prenez rémunération. Non, il y a d'abord. Non, il y a acquisition et équipement. 2 millions. C'est 2 501 291 000 dollars. Quand vous prenez la rémunération, c'est-à-dire le personnel politique, non politique, ça vous fait 13 200 552. Et vous prenez tout ça, le total, ça vous fait 98 433 300 dollars. Donc, vous voulez dire que l'État congolais a perdu 98 300 000 dollars en 2020. Que pour le Sénat. Que pour le Sénat en 2020. Mais avec cet argent, mon cher frère, vous connaissez la clinique Mabanga, l'hôpital Mabanga, qui est à Yolo, c'est l'hôpital qui s'occupe des drépanocytaires. Donc, dans notre pays, vous savez que quand vous avez un enfant drépanocytaire, ça coûte les yeux de la tête. Cet hôpital-là n'est pas subventionné. Vous trouvez sur un même lit 4 enfants, l'un meurt maintenant, l'autre meurt, et puis... C'est-à-dire, c'est des odeurs nauséabondes, des parents qui n'ont pas d'argent pour acheter le sang, pour acheter le médicament. Donc, on va se permettre d'enrichir ou de faire le lit de riches de 109 personnes, alors qu'avec cet argent, ce centaine de millions, ça peut nous permettre de mettre l'eau à Lemba, à Bumbu, à Selembao, construire des routes vers Maluku et consorts, construire les routes qui peuvent relier Bandunduville, Massimanimba, Kikwite, partout, ramener l'eau à l'équateur, mettre de l'électricité partout, alors, sur créer la sécurité et même encourager la gratuité de l'enseignement. 98 millions de dollars l'année. Alors, si nous faisons depuis que voilà. le Sénat est... Depuis que Kabila nous a réuni, 2006. Enfin, depuis 2006. Alors, 2006, si on fait 10 ans, on aura perdu donc... Oui, plusieurs milliards. Ah, mais plusieurs milliards. Plusieurs milliards. C'est la construction des villes, des cités. Alors, très bien. Alors, pourquoi ils sont là? Parce que la vraie question qu'il faut se poser, ils font quel travail? Et s'ils ne font pas là, qu'est-ce que la République... S'ils ne sont pas là, qu'est-ce que la République va perdre? Est-ce que vous voulez faire la comparaison avec ce qui s'est passé au Sénégal ou Justement, a dit, bon, mais
On va se foutre de ça pour construire une université. Mais écoutez, mon frère, le président de la République doit opérer des réformes. S'il veut sortir gagnant, s'il veut être notre De Gaulle, parce qu'en considérant qu'en 2006, rien n'a été fait avec Kabila, en 2018, s'il faut réfléchir dans ce sens-là, le président de la République doit faire des choses comme De Gaulle, doit apporter des réformes qui vont rester éternelles, parce que cette constitution a été nous a été imposée par le Belge et les Français. Ils nous ont imposé ce que eux faisaient. Mais regardez le budget de la France. C'est en termes de plusieurs milliards de dollars, de centaines de milliards. Regardez à partir de quand la France avait eu le Sénat. Qu'est-ce qui était leur budget à l'époque? Ils avaient quel budget au moment où ils adoptaient leur Sénat? Et qu'est-ce que ça représente pour eux? Mais ici, si on supprime le Sénat, c'est-à-dire ces 109 personnes qui vont au chômage avec l'administration... Bah, ils n'iront pas au chômage avec ce qu'il y a aujourd'hui. Ils vont rentrer à l'Assemblée nationale parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont déjà députés nationaux. Mais voilà, c'est aussi un autre problème. On a fait une étude. 60% des sénateurs, 60% des sénateurs sont des députés. Et des députés provinciaux. Bizarre. Et 50% de ces gens-là ont mis juste leurs enfants, leurs épouses, leurs frères. Donc l'Assemblée nationale, le Parlement est une histoire de 500 familles, voilà. Ou 300 familles, à la limite, on va dire mais ça comme ça. Qu'est-ce que les gens demandent? Christian, nous étions à Kananga. Les gens ont dit, Front Patriotique, Steve Mbikai, va dire au président de la République, s'il n'y a pas la chute Katende ici, il ne met pas le courant. S'il ne construit pas la route qui relie Mbujima et Kananga, on ne veut pas le voir ici en 2023. Certes, on peut prendre ça pour de la blague, mais c'est des gens qui sont sérieux. Mais au lieu d'aller tendre la main partout, à travers le monde, solliciter de l'aide, mais il y a des choses qu'on peut faire sur le plan interne. À quoi nous sert aujourd'hui le Sénat? On parle de la représentation de provinces, mais ces provinces-là sont représentées déjà par les députés nationaux, qui les représentent d'ailleurs mieux. La relecture, mais à quoi nous sert cette relecture-là dans la mesure où en cas de conflit, c'est la quand tu auras opposition, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte. Alors, là, c'était le Sénat. Vous avez bien voulu le CENSA. Alors, le CENSA. Vous savez, Joseph Olenganko et Mukundi, c'est un aîné avec qui j'ai d'excellents rapports. Et je pense qu'il aurait pu comprendre ces choses de lui-même et essayer un peu de se comporter en homme d'État parce que le CENSA, c'est une structure qui avait été créée pour le président Étienne Tshisekedi. Parce qu'il ne pouvait pas être le premier ministre de Joseph Kabila. Alors on s'est dit, on va créer une structure que lui va piloter, qui va faire le contrôle des objectifs assignés dans le 2 ans, c'est-à-dire l'organisation des élections, et promouvoir, prêcher la paix. Mon cher frère, c'est depuis 2018 que le CENSA, qui a eu élection, je dirais presque générale, parce qu'il y a eu provincial, national et l'élection du président de la République, mais le Sénat continue toujours à exister. Le CENSA continue toujours à exister. Dans ces rubriques, vous avez des rubriques de fonds secrets, donc frais, fonds secrets de recherche et fonds d'intervention que le CENSA touche tout le mois. Et sur le plan annuel, ça fait 4 702 970 $. Le fonctionnement. Et la rémunération, c'est 495 000. Et ça vous fait 5 198 000 $. Mais est-ce que vous imaginez que nous perdons 5 millions? 5 millions, c'est ça. 5 millions uniquement pour la prise en charge. Or, le 5 millions, c'est ce qui a permis au Rwanda de construire une usine des raffineries du coltan. Effectivement. Au Nigeria, ça produit une usine de tomates. Effectivement. Et autre chose. Effectivement. Que serait le président de la République ou bien ses institutions sans le peuple? Mais pourquoi la prise en charge des institutions doit se faire au détriment du peuple? Quel est le rôle du CENSA d'abord, aujourd'hui? Non, il n'y a aucun rôle. Ils sont là, ils se cramponnent en disant que voilà, nous sommes là jusqu'à ce qu'on va organiser les élections locales. C'était ça, mais attendez, Patrick. Il n'y a plus d'opposants. Il n'y a plus de prisonniers politiques. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de crise politique. Il n'y en a plus. Mais alors, pourquoi ça existe encore? Et dans la décrispation qui est allez demander ça, ça profite à qui? Cet argent. 5 millions de dollars. $5 millions. C'est l'année, quoi. C'est l'an.
Oui. Mais c'est beaucoup, mon cher frère. C'est énormissime. Mais c'est énormissime. Mais pourquoi on donne ça? Mais ils doivent, pour quel plaisir, en fait? Ils doivent payer ça. Tout le mois, donc, il y a le fonctionnement, le fonds secret de riche. Et c'est comme ça que les gens s'enrichissent. Mais c'est payé, franchement. Et je me demande, tout ça, c'est pour quelle raison? Et pour suspendre ça, ça, par exemple, le CNSA, ça ne dépend pas de la Constitution. Comme c'est une loi qui crée le CNSA, il faut juste... l'abolir, tout ça. Abolir, c'est tout. Peut-être au niveau du Sénat, ça va peut-être poser un problème, oui, pour la révision constitutionnelle. Mais le CNSA, ça coûte quoi? Mais vous savez, avec 5 millions aujourd'hui, combien de routes pouvait construire, de routes secondaires? Ici, il y a la commune de Kinshasa, à Lingwala. Moi, je fais un petit calcul, Patrick. Oui. Avec 5 millions, on pouvait s'offrir 4 ambulances par commune. C'est vrai. Mais 4 ambulances. Mais c'est vrai, il restera beaucoup d'argent. Oui. C'est 4 ambulances par commune. Mmh. Et on peut avoir au moins 4 chalutiers ou 2 chalutiers par province. Et donc, on n'aura plus ce problème de... On a manque de poissons, on n'en aura plus besoin. Parce que c'est 5 millions de... C'est pas comme si on était en train de parler de francs congolais. C'est énormissime, mon cher. On paye aux gens qui dorment dans leur bureau. Et qui ne font absolument rien. Ou qui prient pour qu'il y ait conflit politique. Comme ça, ils vont justifier l'argent. Et moi, ce qui est quand même étonnant dans ça, c'est qu'ils ont de fonds secrets de recherche. Ils font quelle recherche? Je ne sais pas. Fonds secrets de recherche. Donc, ils sont subventionnés et tout. Et je me demande que font nos députés. Que font nos députés à l'Assemblée nationale? Le président de la République, au lieu d'aller tout le temps en France, parce que nous sommes quand même un État souverain, avant que ces gens-là nous viennent en aide, nous devons justifier. Vous n'allez pas trouver ceci en France ou dans tout ce pays-là. Et quand je pense qu'ils ont 5 millions de dollars et que l'Observatoire de Volcan a manqué des mégas, a manqué des connexions pour informer aux Congolais, alors je me dis, grave. Mais c'est... C'est extrêmement grave. C'est grave tout ça. Alors, vous avez le Conseil économique et social. D'abord, ça sert à quoi, les conseils économiques? Le Conseil économique et social avait été créé à Sun City, parce qu'on estimait que les provinces et le gouvernement national pouvaient avoir ses avis pour booster les développements. C'est-à-dire, quand vous voulez créer une entreprise ou le développement, vous cherchez ses avis consultatifs, donc ils vous donnent l'avis. C'était pour rendre concret, booster le développement, le social dans le pays. Mais, mon cher frère, après quand même avoir fréquenté quelques autres institutions du pays, à ce jour, je suis incapable de savoir ce que cette institution fait. Et quand je vois les montants, franchement... Ils ont les fonctionnements de 3 millions... 700, de 3 millions 3 millions 712... 871 dollars. Investissement sur ressources propres. Donc, 211 millions de dollars. Et pour la rémunération, mais alors là, c'est... Rémunération, 117 millions. Voilà. Et au total, vous voyez ce que ça fait. Non, 117 000, pardon. 117 000. 117 000, 217 000, 3 millions. OK. Alors, le total, c'est 4 millions. 42 315 dollars. Par an, hein? Par an. Mais c'est énorme. Parce que... Ce qu'il faut, la question qu'il faut se poser, ces gens ici font quoi? Quelles sont les actions à impact visible qu'ils mènent qui puissent nous permettre d'être... Mais si on supprimait cette histoire, est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter les cliniques universitaires? Mama Yemo. On ne peut pas réhabiliter Mama Yemo. On ne peut pas construire d'autres hôpitaux. Mon cher frère, dans ce pays, il existe des enfants, des albinos, qui naissent de familles démunies. Mais quelles sont les mesures d'encadrement qu'on met pour permettre à ces enfants-là d'aller étudier? Même les personnes malentendantes. Les personnes, voilà. Les personnes vivant avec handicap. Avec handicap. Qu'est-ce qu'on fait? Ces enfants vivent dans la pauvreté la plus extrême et dans l'abandon dans les régions. Total! Parce qu'il n'y a pas un mécanisme qui les protège, qui les prend en charge, qui les... Vous savez qu'aujourd'hui, même dans des milieux où il n'y avait jamais eu de mendiants, c'est-à-dire même dans des... De quartiers secondaires où jamais vous pouvez voir un mendiant venir vous dire que voilà, j'ai laissé l'enfant à l'hôpital. Aujourd'hui, nous sommes devenus un état de mendiants. Vous allez en ville, mendiant. Vous allez à Kissensou, il y a des mendiants. Mais si déjà votre état lui-même est mendiant, il demande un million à gauche, un million à droite. Et c'est ce qui est ahurisant, j'ai vu, je ne sais pas, l'Union européenne pour le volcan. Une institution a donné 180... Mais je veux t'énerver davantage. Le Kenya vient nous faire des dons. Le Kenya nous donne un don. Inacceptable. Mais toutes les années, il y a cette somme-là. Qu'on
colossale qui est destinée au Conseil économique et social, dont on ne connaît pas le travail qu'il est en train de faire. Mais si on supprimait ça, ça peut permettre au président de la République et au gouvernement de faire quelque chose. Alors, je suis pas très fort en calcul, Patrick, mais je dois te dire déjà que le Sénat qui nous coûte 98 millions de dollars, et si on prend 98 millions plus les 5 millions, on est déjà dans 103 millions qu'on aura épargnés. Et si on prend les 4 millions du CS, ça nous fait 107 millions de dollars qu'on épargne. Et on épargne par an. Oui, oui. Mais il y a aussi autre chose. Le CSAC. C'est le CSAC. Alors, je suis très mal à l'aise parce que c'est mon autorité. Vous savez que dans ce pays, il existe un ministère chargé de la communication et médias. Quand vous lisez le job description, c'est-à-dire l'ordonnance qui crée la répartition de compétences des membres du gouvernement, et vous lisez bien la Constitution de la République qui institue le CSA comme une institution d'appui à la démocratie, tout de suite là, vous tombez un peu en syncope parce qu'il y a le méli-mélo. Vous ne savez pas ce quoi réellement le distinguo, où ça va être le pouvoir. Le limite du CSAC, et où sont les attributions du ministère de Médias. Parce que tout ce que le CSAC fait, le ministère de Médias et Communications peut également le faire. Dans la faculté de droit, oui. Mon travail, je crois, de fin de cycle, portait sur la dissolution du CSAC. C'était en 2012. Déjà, on travaillait sur ça. Déjà. Avait parlé. Oui, oui, oui. Et voilà. Mon travail de fin de cycle, et le CSAC. De fin d'étude, mon mémoire, c'était sur la dissolution du CSAC. Ah, ok. Ouais. Vous avez vu loin. Mais vous savez que le CSAC coûte... Le fonctionnement de CSAC, c'est... 4 257 425 dollars. Et la rémunération, 1 million de dollars. Est-ce que vous comprenez pourquoi d'abord, dans toutes ces rubriques-là, vous voyez que les fonctionnements sont toujours élevés. C'est en cela que les détournements, les enrichissements sont posés, s'opèrent. Et pour le CSAC, le total, c'est 6 millions. 6 millions, 16 230 dollars. Seulement pour le CSAC. 6 millions. Donc, un peu plus que le CSAC. Est-ce que vous comprenez ça? Et allez leur demander qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. Alors, ce qui va venir après, là, c'est dangereux quand même. Et ça, c'est CNDH, donc Commission Nationale de droit de l'homme. Ça, franchement, je ne comprends pas ce qu'on s'en est. Et je porte à votre connaissance que dans le gouvernement, donc dans le département gouvernement, il existe un ministère qu'on appelle ministère de droits humains. Donc, je ne trouve pas son importance d'abord, parce que nous avons le ministère de la Justice, on a le ministère des droits humains, et puis on a encore une commission. Une Commission Nationale de droits humains comme institution d'appui à la démocratie. Alors que les recensements des violations de droits de l'homme sont faits au niveau du ministère. Ce ministre est payé, ses membres du cabinet sont payés, les experts qui travaillent en collaboration avec eux sont payés. Mais d'autre part, vous avez une commission nationale de droits de l'homme qui est également payée. Et cette commission, elle a comme frais de fonctionnement 4 207 920 dollars. Vous avez la rémunération de 2 429 624 dollars. Ce qui fait que pour cette commission à elle seule, pour l'exercice de 2020, selon la loi budgétaire que nous avons, il aura coûté 6 637 545 dollars. Alors, quand on fait le total de tout ça, ça nous donne 120 327 500 dollars. Mais mon cher frère, et tout ça, il y a un petit enfant qui naît dans une brousse quelque part. Il y a un enfant qui est bourré de talent et qui aimerait bien vivre, mais l'État n'arrive pas à le sécuriser. Il meurt de la drépanocytose. Il y a des routes de gens qui doivent arriver en ville, qui habitent UPEN. Ils sont obligés de surveiller à 3h, 4h pour fuir les embouteillages de Delvaux. Il y a quelque part des gens qui font le pied. Mon cher frère, j'ai vu des gens sous mes yeux qui font le pied de Mbouchma Yakananga. Ils y vont à pied. J'ai vu des gens qui considèrent le vélo comme étant le bien le plus important de leur vie. De leur vie. Oui, quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi ton patrimoine, il évalue en termes de vélo. Voilà. Il dit j'ai un vélo.
Mais si réellement on aime le pays, est-ce que nous nous le disons? Les gens peuvent se poser des questions, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait hier? Pourquoi? Mais nous vous disons qu'il n'est jamais tard pour faire du bien. Le président de la République a besoin d'argent, le gouvernement a besoin d'argent, mais il y a des institutions qui sont inutilement budgétivores, qui nous consomment inutilement de l'argent, dont la suppression ne va qu'enchanter le peuple congolais et prendre cet argent parce que, qu'est-ce qu'il y a? C'est disponible cet argent. On fait le budget sur base de notre capacité de mobilisation de recettes. Et ça existe, ça c'est la 2020. C'est l'argent qui a existé. Mais si on supprime ça, on essaye un peu d'investir dans le social. On investit dans autre chose, vous verrez que les choses vont marcher. Mon cher frère, quand vous voyez ces budgets, cette loi, 99% est consacré à la prise en charge des institutions. Ce qu'on appelle le train de vie. Le train de vie des institutions. C'est-à-dire, j'ai lu ça toute la nuit, j'ai lu ce manuel. Vous ne verrez que la prise en charge des institutions, ouais. Les rubriques pour le fonds secret de recherche, les rubriques pour le fonds d'intervention, les rubriques pour des institutions. Par exemple, là, je vois déjà prime, gratification, indemnité non permanente. Tout ça. C'est toujours la même chose. On met le prestation intellectuelle, l'organisme. Voilà, on met le peuple où dans tout ça, mon cher frère? Le peuple est en train de souffrir. Titre de voyage à l'intérieur, voilà. Titre de voyage à l'extérieur, c'est tout frais de mission à l'extérieur, frais de mission à l'extérieur. Mais après, on va se poser la question, comment on n'est pas développé? Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le budget. Mais qu'est-ce qu'on investit? On investit quoi dans la recherche scientifique? On investit quoi dans la construction? Écoutez, vous savez, aller à l'université de Kinshasa, voyez les étudiants de jeu en droit. Mais il y a des enfants qui étudient à même, les étudiants qui étudient à même le sol. À même le sol. Ouais. Allez, l'Équateur, vous avez vu les écoles. Ils n'ont pas de banc. Ils n'ont pas de banc, ils n'ont pas de chaise. Alors, Patrick, on va se lever pour terminer cette émission. Moi, je vous dis déjà extrêmement merci. Mais alors, dites-nous comment on fait pour arrêter cette histoire? Quelles sont les pistes de solutions? Par où on commence? Quelles sont les priorités? On commence par supprimer quoi? Les choses qui sont constitutionnelles ou d'abord ceux qui sont faits par la loi d'abord? On va faire. Par de leurs organiques. On va faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, nous proposons, on a réussi à réunir 136 000 signatures à travers la République, et en moins d'un mois, en moins de 30 jours, nous avons 26 provinces, et il y a des provinces qui ont eu 5 000 signatures, d'autres plus. Alors, au total, nous avons eu 136 000, nous allons déposer cela. Nous demandons un sursaut patriotique aux responsables politiques. Vous allez déposer ça chez qui? À l'Assemblée nationale, tel que le veut la Constitution, la majorité va voter pour arriver à la majorité. Donc, il suffira que les deux tiers de l'Assemblée nationale votent pour cette révision constitutionnelle. Nous allons revoir la Constitution parce que ce sont des articles qui n'énervent pas la loi. Donc, c'est ce que nous comptons. Et pourquoi vous ne travaillez pas sur la CENI, par exemple? Oui, mais évidemment, vous savez, actuellement, je te parlais du fleur politique. Les propositions doivent corroborer avec les circonstances de temps. La CENI, à ce jour, proposait que ça soit davantage politisé, parce que le ministre de l'Intérieur qu'on mettra, certainement, viendra d'un bord politique. Et ça peut enflammer la toile, ça peut enflammer la République. Pourtant, il faut construire l'État. Pour le moment. Parce que même en France, le ministère de l'Intérieur, il vient toujours d'un bord politique. Mais cependant, il y a une forte administration qui comprenne. Peut-être que nous, pourquoi on ne commence pas maintenant à poser des vrais jalons sur la question? Mais au lieu de fuir le débat, de dire que non, comme c'est politique. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne ses décisions. Mais les niveaux de maturité que les Français ont est différent de ce que nous avons. Il faut commencer quelque part. Pourquoi on ne commencerait pas? Ouais, mais le plus important, faisons ce qui peut faire tuer moins de personnes. C'est ça. Pourtant, on finira par arriver là un jour. Justement, mais même Dieu a travaillé selon un ordre de temps. D'accord. Donc, bon, alors, on va faire ça. Vous allez aller dans cette logique-là. Oui. Nous allons dans la logique de supprimer demander qu'on supprime la CENI. En fait, quand je dis nous, c'est un groupe des gens. Nous estimons que c'est comme ça. Mais je pousse totalement votre point de vue sur la suppression. D'ailleurs, moi, je vais faire encore d'autres analyses, d'autres réformes pour voir combien ça doit, justement, qu'est-ce que ça peut nous produire comme effet. Et qu'est-ce qu'on peut encore supprimer parce que... Il y a beaucoup de choses à supprimer. Mon cher, après, il y a les assemblées provinciales. Il faut les supprimer aussi. Les gouvernements. Pourquoi il faut avoir plus de 20 ministères?
Pourquoi on a le ministère des... Pourquoi on a, par exemple, le ministère de l'EPST, le ministère des recherches scientifiques, le ministère de l'enseignement supérieur et secondaire? Pourquoi ne pas faire en sorte que ce soit un ministère d'éducation? Fusionner tout ça, fusionner. Et le message ici est adressé au président de la République. Charles de Gaulle est Charles de Gaulle, le patron de la 5e République, parce qu'il a su apporter des réformes conséquentes qui permettent à la France aujourd'hui d'être la République de la France, d'être un pays de liberté. Nous pensons que le président de la République, dans ce premier mandat, doit poser des actes conséquents qui vont dans le sens de véritables réformes. Le Front patriotique, avec son leader, l'honorable Steven Bikai, font ses propositions qui portent sur la révision de la Constitution. Mais après, on va revoir aussi le train de vie des institutions pour permettre au peuple congolais de vivre de ses ressources. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. C'était un grand honneur pour moi de recevoir Maître Patrick Mutombo. On a donc parlé de réformes, et vous l'avez certainement suivi depuis un certain temps. C'est mon cheval de bataille. Je parle d'une nouvelle république, je parle d'une 4e république, je parle de certaines réformes, et c'est pourquoi on l'a aussi invité pour en parler. Ne vous en faites pas, on en reviendra encore une fois pour parler d'autres choses, toujours dans le cadre de réformes. Comme il l'a dit, on a plus besoin d'argent, alors n'utilisons pas notre argent pour nourrir des gens qui sont déjà riches ou pour jeter l'argent à travers la fenêtre, pour nourrir certains appétits gloutons politiques, alors qu'il y a des gens qui en ont véritablement besoin. Qu'il y a la peur qui quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Hello. L'opinion arrive à la vidéo qu'on y a. Bon, il y a un tableau qu'on est États-Unis. On est comme un bon abonné à vos genèses. Mon États-Unis. Tata Yoki Kole Lanabino. Atinde Libino. Maman Samira. Ndenge aux Alakan États-Unis. Au Kole à l'Okola Moutoisan à Montbélé. L'Okola Moutoisan à Ngaba. Merci, mon bouche. Wow! Bana États-Unis, Kolia bio et comme il olingi na bino, bona kozwa, mbisi ya kokauka, topé en foutu un bila. Chez maman Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez maman Samira, manso mazali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bête, pour la cause de quoi détail. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse, y a entrepôt 12 40 avenue Randol, dans les banques. Tala, yoko banda koteka, misia koka uka, mongusu, ma foute mbila, et koko maloko la bazoka na yo. Yeah yo. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique, Colis Booking qui travaille en partenariat avec La Poste et là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Dans le fort pour l'indépendance.
puissant.